Sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, en collaboration avec le Fonds de développement agricole FODA, lance la compétition pour le Fonds de l'innovation présidentielle en agriculture FIPA. L'objectif du projet Agro Challenge Guinée est d'explorer et d'exploiter des solutions innovantes locales afin de renforcer la croissance du secteur agricole guinéen. Agro Challenge Guinée recherche des idées innovantes à travers vers la mise en concurrence des porteurs de projets agricoles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des maillons de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire. Elle repose essentiellement sur la valorisation des initiatives locales pour résoudre les problèmes de l'écosystème agricole. Des prix récompenses attendent à ceux qui seront déclarés gagnants de la compétition. Face à la presse, ce mercredi 22 février 2023, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a présenté le projet ambitieux. Mamoudou Nagnalemba a livré les prix qui seront donnés aux gagnants du projet. Vous rappelez qu'il y a environ un an, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a donné instruction à la primature de tout faire pour rendre le Fonds de développement agricole opérationnel. Donc le Fonds de développement agricole qui n'existait que sur papier a été opérationnalisé avec des ressources importantes pour commencer ses activités. Aujourd'hui, nous sommes fiers, grâce à une direction générale dynamique, de voir que le Fonds de développement agricole a fait sa place dans le secteur agricole et financier de la Guinée. Et c'est une suite logique au développement des activités du FODA que cette initiative a été lancée. Donc c'est une initiative qui est portée par la Chambre nationale de l'agriculture, le Fonds de développement agricole et le ministère lui-même. L'objectif cette année, à cette première édition, c'est d'encourager les innovateurs dans le secteur agricole à travers 5 prix qui seront donnés. Un premier prix d'innovation agricole, qui est le prix pour tout le secteur, qui est d'un montant pouvant atteindre 1 milliard de francs guinéens. Et 4 autres prix qui sont sous-sectoriels, parce qu'il faut le rappeler, le secteur agricole inclut 4 sous-secteurs. Il y a d'abord le sous-secteur de la production animale, qu'on appelle communément l'élevage. Donc il y aura un prix présidentiel pour l'innovation en élevage. Et ça, c'est le premier prix pour le sous-secteur de la production animale. Ensuite, il y a le sous-secteur de la production halieutique, qu'on appelle la pêche. Il y a aussi un prix qui peut atteindre 500 millions de francs guinéens pour ce sous-secteur. Après, il y a un troisième prix sous-sectoriel pour l'exploitation forestière. Ça aussi, ça atteint 500 millions de francs guinéens. Et il y a un quatrième prix pour la production végétale qui fait aussi 500 millions de francs guinéens. Donc, en tout, en termes de prix, il y a 3 milliards qui sont prévus, et ce qui n'inclut pas les frais aussi d'organisation, les frais de tournage. Donc, c'est un événement très important que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Et les plateformes sont créées pour recueillir les candidatures en ligne. Des jurys seront mis en place. Des pitchs seront organisés et c'est un événement extrêmement important. Tous ceux qui désirent participer à la compétition Agro Challenge Guinée pour le Fonds de l'innovation présidentielle FIPA ont la chance jusqu'au 5 mars 2023 pour acter leur candidature. Pour cette première édition de 2023, un montant de 3 milliards de francs guinéens a été mobilisé par la FIPA pour financer 5 projets majeurs. Les prix réservés sont constitués à 100% de prêts sans intérêt et d'un accompagnement gratuit en bureau et en expertise agricole. Le ministre Mamoudou Nagnalembari invite les jeunes et les femmes à postuler pour faire partie des heureux gagnants du projet Agro Challenge Guinée. Nous invitons aujourd'hui toute la jeunesse guinéenne, toutes les femmes de la Guinée, tous les fils de la Guinée à postuler, à venir montrer de quoi ils sont capables dans le secteur agricole. Ce que nous cherchons, c'est de l'innovation adaptée aux besoins de la Guinée. Nous cherchons ce qui peut aider les différents sous-secteurs de l'agriculture à produire de façon smart, à produire encore plus avec les mêmes moyens et à trouver des solutions à nos problèmes.
L'initiative Agro Challenge Guinée fait suite à la volonté du président de la transition de faire de la refondation verte un moyen pour la promotion de l'agriculture afin de lutter contre l'insécurité alimentaire en Guinée. Tous les projets présentés seront évalués en fonction de leur caractère innovant en termes de productivité, d'adaptabilité aux besoins des populations et aux conditions de production nationale, de conservation ou transformation de la production ainsi que de la rentabilité. Alpha Ousmane Soaré, membre de la délégation spéciale de la Chambre nationale d'agriculture, présent à la cérémonie de présentation du projet Agro Challenge, a déclaré l'ambition de lancer une telle initiative en faveur des agriculteurs. La Chambre nationale d'agriculture accompagne toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion du secteur agricole dans notre pays. C'est dans ce cadre pratiquement que nous appuyons ce projet, cette initiative, qui est une grande première pour la Guinée. Et donc, la Chambre va accompagner techniquement. Comme vous l'avez compris déjà, il y a le Fonds pour le développement agricole qui est à notre qui est collaborateur. Avec l'appui du département, vous avez des techniciens de la Direction nationale de l'agriculture qui vont appuyer des jeunes et qui vont les orienter techniquement. Et donc la Chambre nationale d'agriculture va jouer ce rôle auprès de tous ceux qui prennent l'initiative dans le cadre du développement du secteur agricole dans notre pays. Pourquoi vous avez décidé d'accompagner une telle initiative ? On n'accompagne pas l'initiative, on est nous-mêmes initiateurs. La Chambre nationale d'agriculture travaille en étroite collaboration avec le Fonds pour le développement agricole. Nous relevons du ministre de l'Agriculture. Et donc à ce point, nous avons certes nos attributions, mais tout ce qui va dans le sens de la promotion du secteur agricole dans notre pays, ça passe aussi par la Chambre nationale d'agriculture. Le projet Agro Challenge Guinée se veut promoteur de champions de l'innovation agricole en République de Guinée.